Bonjour mes amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Sniper Elite 4. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle mission qui s'appelle le manoir de Giovi Fiorini. On est toujours en facile cadet. Pour la difficulté, on se cassera pas trop la tête. Pour l'équipement, là, on a pas mal la même chose. Là. On a cumulé dans l'arbre de compétences des petits trucs qu'on va pouvoir ajouter. Excusez-moi. Donc, manoir de Giovi Fiorini. Campagne. Donc, cette mission-là, on va être le soir, la nuit, pour ce manoir-là. C'est parti. Vous n'êtes qu'une gamine qui joue à l'adulte. Qu'est-ce que vous pourriez bien me faire? J'étais infirmière. Vous le saviez? C'était avant que tout ça ne commence. Ça veut dire que je sais parfaitement comment faire mal aux gens. Est-ce que vous me comprenez, petit Tom? Meine Liebe, vous ne pouvez pas me tuer. Dites-lui. Il a raison, Sophia. Donnez-moi ce couteau. Vous savez comment ils fabriquent ces précieuses fusées? Combien d'esclaves sont morts pour faire voler ces engins? On a besoin de lui, comme on a besoin de Dinelli. Cet homme est un fumier de nazis! Dinelli a fait tuer énormément de gens! On a besoin d'eux, l'un comme l'autre. Vous, oui. Pas nous. On vaut mieux que ça. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose, Meine Liebe, à propos de votre cher père. De mon père? Que savez-vous? Dites-moi ce que vous savez! Faites sortir les autres. D'accord. Mais Giancarlo reste. On peut les laisser ensemble? Pourquoi crois-tu que j'ai pris le couteau? Faut découvrir ce qu'il lui a dit. Sophia! D'accord. Parlez à Weaver. Les partisans nous ont rendu un grand service. Sous quelle forme? Eh bien, Kessler. Il a dit à Sophia que son père était en vie et détenu sur un site d'interrogatoire à Giovi Fiorini. Rosbauer. Oui, c'est ça. Voilà la diversion qu'il nous faut. On sait que Rosbauer et Böhm se sont vus la semaine dernière. Rosbauer est le confident de Böhm. D'après moi, les nazis haut placés ne parlent pas. Ils avalent leur cyanure. Rosbauer n'est qu'un pion. Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves du plan de Böhm. Ok, éliminer Rosbauer, découvrir ce qu'il cache. Excusez-moi, tu disais la radio. Renard à mer poule, renard à mer poule. Je vous reçois, renard. Interceptez et détruisez le camion de propagande ennemi. Terminé. Bien reçu. Terminé. Ok. Trouver l'itinéraire de combat. De camions de propagande. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a pris les autres. Tous les autres. Il y a un site d'interrogatoire à 15 km. À cause de ce que Kessler lui a dit. Son père, Karl. Kessler lui a dit qu'il était encore en vie. Où est cet endroit? À Giovi Fiorini. Au nord-est d'ici. Karl, si tu savais ce qu'ils ont fait subir à nos gars, tu peux pas imaginer. Pourquoi a-t-elle cru Kessler?
Il savait tout. Tous les détails de l'enlèvement de son père, Carl. Et puis... Quoi ? Sophia se méfie de toi. Et de Weaver. Elle pense que vous l'avez trahi, comme l'OSS a trahi son père. En ne tentant pas d'empêcher. En n'essayant pas de le sauver. Oui, c'est ça. Tuer le sniper, d'accord. Eh ben, ça pue. C'est ça, vos méthodes d'interrogation? Pas besoin d'être un génie pour savoir qui va gagner cette guerre. Vous êtes plutôt sûr de vous, on dirait. Et pourquoi pas? Je suis unique. J'ai de la valeur pour les deux camps dans ce conflit. Et donc je suis intouchable. Je crois que vous ne dites pas tout. Quel discernement, lieutenant. Je suis mourant. Mon foie est capoute. Je ne verrai peut-être pas Noël sans parler de la fin de cette guerre. Vous espérez me tirer des larmes? J'espère juste vous faire comprendre pourquoi je me suis laissé enlever. Le père de Sophia. Il est mort, il y a des mois de cela. C'était un piège. Dorfman nous a piégés. Ah, tant d'efforts. Vous n'êtes utile ni à vous, ni à la patrie. Je suis, comment dit-on, un tuyau crevé. D'accord. Bon, on va commencer cette mission. Donc, on arrive en camion, là. On essaie de sauver tout le monde, là. Pour essayer de meurtre, on va... essaie de faire le sale boulot. Bon. Nous voici sur le domaine de Giovifioni. Bon. Je vais commencer par monter ici. Je vais regarder ce qu'il y a là-bas. Ok. Bon. Il y a plusieurs zones. Donc on va commencer par la droite. Je sais que la plupart des gamers commencent par la gauche. Moi, je vais commencer par la droite. Il y en a un juste là. Je peux me cacher derrière les box. Ça. Je vais l'attirer un petit peu. Par là, on va y donc. On va se cacher derrière les box de piquettes. Bon, là, ça en a l'armée 3. Là, on a l'armée juste 1, là. Le poignet par derrière. Mais, un coup de poing à la gueule, un coup à la gorge. Excusez-moi, j'étais un petit peu enrhumé. Plus rien. Bon. Et par là, par là. Oh, il va t'avoir l'autre.
faire le tour. Sur les droits séparés. Il y en a une autre là-bas. On marque un petit peu, là. Bon. Allez. Fais le tour ici. J'essaie d'être un petit peu technique là. Ouais, gorge ici. Oh merde, encore une fois. J'ai de la misère avec ça. Je tombe trop vite. Bon. Oh là là. Je vais essayer de réussir mon attaque furtive, alors je pèse sur le bouton Y de ma manette Xbox. Trop tôt. Pour cette raison que... Bon, à plat ventre. Que j'ai assez d'angle. Oui, d'après moi, je vais être pas pire. Il bouge. Et voilà. Mes buissons ici, je vais en profiter. Dégage-tu. Et voilà. Un autre en moins. Mieux plus proche, par exemple, je le vois pas. Où est-ce que t'es? Grand chose. Il doit pas être très loin par là. Il remonte, je crois.
Hein? Allez, continue à monter. Pas loin, je vais attendre qu'il monte, ça revient. Faut mettre au corps comme ça. Faut avoir besoin de cacher. Oui. Bon. Ok. Lui, on peut-tu l'avoir comme ça aussi? Mais vous voyez mon caillou? Je vais fouiller le corps en attendant. Normalement, là, si il est aussi con que les autres, je vais l'avoir facilement. Et c'est bien parti pour ça. Oh my god, est-ce tout? Ok. Ça va bien pour le début c'est quand même. Tout. On va avancer tranquillement sur chaque buisson. Quelqu'un là, je ne sais pas. On va avancer encore un petit peu. Est-ce que ça va le distraire? Pas l'impression. Là, il a entendu. Je crois que c'était un officier. Il s'en va directement vers moi en plus. Bien. On fouille. Payé de service, compte rendu, ok. Il n'y a plus rien. Bon, on va essayer de progresser. Tranquillement, va vite. Il y en a juste là-bas. Un autre en moins. Bon. Caché là. Allez, viens ici. Bon. Il y a les deux là-bas. Entre les deux poteaux, je vais être bon. Oui. Oui, bon. Il y en a trois qui s'en viennent vers ma direction. Ça. Ouais, il est juste là. Ça va placer en conséquence. Oh, il y en a deux, je crois. Bon, on va commencer par lui, à droite. Et voilà, c'est fait. Bon, lui maintenant. Et voilà. Avance un petit peu. Se trouver un endroit pour se planquer un petit peu.
Bon, le petit camp ici. Voilà qui va me servir. Je dois me charger de l'emplacement de ce canon. Je suis coincé. Bon, ça va pas y aller. Voyons. Bon, on est où? Les trucs ici sur le lit de camp. Bon, c'est un papier, on le ramasse. Qu'est-ce que ça dit? Lettre aux proches, encore une fois. C'est pas mal tout le temps la même chose. Des munitions de mitraillette. Crâne à la manche. Bon, on va fouiller la boîte ici. Une gise Panzerfaust. Une TNT. Ouais. Non, pas vraiment. Ok. Je vais essayer de m'en faire un ou deux d'ici là. Et voilà. Dans la clôture. Et voilà. Un autre. D'éliminer. Je crois qu'il y avait quelqu'un là-bas sur pas loin de là. Mais bon, on le fera plus tard. On va minuter ça et on va dégager. On va monter ici, je pense. Je vais être bien protégé contre les débris. Ça a pété. Défense affaiblie, on en a trois à faire comme ça. Tuer le sniper. On va aller par là, trouver l'itinéraire. Lui, je vais être bon pour l'avoir ici. Et voilà. Ouch. Oui, bon. Sergent d'état-major. Bon, c'est bon ça. On progresse. C'est de descendre ici, là. Bon. Tenter de fouiller pour amasser les choses. On dirait que j'ai tout pris. Bon. Où est-il? Là, on peut grimper ici? Non. Maintenant, on va grimper pas loin là-bas. Et voilà. Bon. J'aime quand même cette carte. J'aime bien la façon que les soldats sont dispersés. On peut faire ça quand même facilement, discrètement. À l'intérieur, y'a-tu quelqu'un? Par là.
maintenant j'avais pas vu. Sur le dessus de la terrasse. Bon, lui, il y en a qui est au sol. Où est-il allé là? Bon, on n'y est pas avec ça. Et voilà, l'as de la gâchette. Fouiller, il y a sûrement des trucs à récupérer. Ok, ça va bien, ça va bien. La progression avance bien. Où est-il? Il est juste devant moi. Allez hop! Oh, il tente pas en pause, j'ai même pas essayé de dégainer quelque chose, il était là pis. Bon, j'ai un bateau l'autre bord. On va aller par là. Faut l'avoir de dos. Corps à corps. J'espère l'avoir comme ça, en tout cas. J'attends, il bouge pas en tout. Ok, là, il y a eu un petit bug à travers le meuble. L'itinéraire, on va aller sur le bureau ici. Bon, ça c'est l'itinéraire pour le. Redescendons. Un truc à récupérer ici. Mettre une mine là. Ça me fait repérer. Ça vite, fais ça vite. À peu près ici dans le milieu. Il est juste là. Allons se cacher. Ça, c'est le bateau. Sniper nous a repéré. Celui-là de l'autre côté là-bas. On a une tour par là.
camion est là. Il s'en est avec son itinéraire, évidemment. Que contient ce convoi? Bon, pas tout plus compliqué que ça. Tout a pété. Oh. On va essayer d'envoyer quelque chose là. Oh. Plus rien à prendre. Explose encore dehors. Le camion est là. Bon, on est juste là. Peut-être bon de l'avoir ici. Il bouge. Ici, le red bon, il se lève la tête. Oui, bon, on a deux autres là-bas à droite. Dont je vais me méfier. Un est là, un est là-bas. Quatre dans le secteur, même. Comment tu vas lui? Un est là-bas. Il y a un truc dans les mains. Est-ce que c'est un truc ou c'est moi qui rêve? Et voilà, un en moins. Ouh, que c'est violent. Aïe aïe aïe. C'est normal. Je pense qu'il y avait un type là-bas, mais non, c'était un banc. Bon, lui, il se place vraiment comme un gibier. Il se place pour se faire exploser la gueule. Bon, il y avait un autre, mais je l'ai perdu. Ouais, les filles. Bon. On va essayer de s'occuper du sniper là, parce que. Il est pas très loin, mais j'ai pas vraiment d'angle de tir. Peut-être d'ici. Faudrait avoir un angle entre les deux. Comme ça, là, pas moi. Je vois rien non plus. Toujours quelque chose qui me bloque. Il est là. Un sniper. J'ai une balle rien que pour lui. Et voilà. Bien, ça n'a pas été plus dur que ça. Mais si je peux m'en terminer, le sniper est mort, il est mort aussi. J'aime bien ce manoir, j'aime bien le. On a des bons angles là-dessus, on peut se mettre sur les maisons. On mieux vaut que ce bateau est une menace. Oh, le bateau est fait, on a éliminé le sniper en premier. Oh, bon, ça c'est fait. 1000 XP de plus pour avoir détruit ce bateau. On va aller là maintenant, et après on va voir ça. Regardez là, rendu là, qu'est-ce qu'on a à faire? Le drapeau me bloque, oh, lui il est ici. Le drapeau italien me bloque, oh, ok. Quel tir? Et coupé l'ail. Et boboy. Bon. Lui là-bas. Je pense qu'on en a deux là-bas, je suis pas sûr. Et le drapeau me bloque. Il en resterait un petit peu là-bas. Sur le coin de la bâtisse.
Et montre-toi, il y en a un autre en avant. Ok, il est là. Je le voyais, mais le drapeau me bloque. Il y a quelque chose à récupérer qui est intéressant sur ce bonhomme. Je ne vois plus rien. Bon, ok. Je vais descendre. Je vais me placer ici, je vais être plus bas. Il est là. Je suis caché, il me voit quand même. Monter, je laisserai pas le temps là-dedans. Bon, je l'ai envoyé vers là. Allez, rejoins-le. Ensuite, je parle de aller. Bon, je l'ai fait bouger un petit peu au moins. Ça va là-bas. Où est-ce? Il était dans ce coin-là, je ne le vois plus. Il s'approche à droite. Et on va. Ouh, tir au fouet. Bon, il en reste un là-bas. Ça va bien là pour la première partie de cette mission. Te caches-tu? Oui, c'est ça. Il est là. Oh! J'ai repéré quelque chose, mais là, je sais pas c'est quoi. Il y en a qui arrive en courant. On a une pizzeria devant, une Giovi Fiorino. J'ai sûrement dit le nom tout en envers, mais Fiorini. C'est ça que je devrais dire. Bon, on a pas mal dégagé le secteur. On va récupérer des trucs. Oh, des mitrailleuses légères 22, deux munitions de fusil. Progressons. Et on voit. On en a deux là-haut. On en a un ici pour commencer. Petite de mitraillette, je sais pas trop où là. C'est pas mal. J'ai monté là. Allez, grimpe l'échelle.
Il est là de dos. Oh merde. Raté. De l'amener jusqu'ici. Jeu du couteau là, fouiller le corps. Je vais au moins essayer d'aller finir cette petite zone dernière là, le châtaignier. C'est tout. Bon. Il y en a un qui est là, un autre qui est plus loin. J'ai alerté les autres, mais rien de grave. Au plus, je l'ai manqué. Le petit sifflet là. Énervant. Cachons-nous ici. Ah ouais, la roche là. En recherche et je l'élimine comme ça. Servir. Bon, on en a deux là, c'est bon pour les avoir en même temps. Il entend le rire. Il est là, ça c'est un officier. Thanks. Je vais pas monter par l'échelle. On s'en occupe nous-mêmes. Ce que t'es. Il est sorti de son trou. Et là, bon. Avant de faire repérer, j'appuie sur la gâchette.
voir qu'est-ce qu'il y en est pour détruire les campements. Et je sais pas trop quoi. Oh, il y en a deux là. À voir les gardes. Ce doit être le manoir de Rosbauer. Ça, ça va être le manoir qu'on va faire un peu plus tard. Poser la charge ici pour s'éloigner, tirer à distance. Donc, je propose de s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine pour la suite de l'épisode de la Sniper Elite 4. Bye bye.